Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog et mon chéri est juste à côté de moi. Il n'est pas motivé pour ce vlog, mais c'est pas grave. Vous avez été motivé, vous, sur Snapchat et Insta Direct, donc ça me fait plaisir. Je suis partie en week-end avec mon chéri et mes enfants à Lille. Et du coup, là, on part. Vous savez, c'était le grand week-end de combien de jours? 4 jours, 5 jours. Et du coup, là, on, avec mon chéri et mon fils, on part à Bruxelles. Donc les Belges, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes là. Et du coup, et ma fille, on l'a laissée à son parrain et sa marraine. C'est la première fois qu'on la laisse d'ailleurs dormir chez quelqu'un d'autre. Donc c'est une nouveauté. Bon, je vous montrerai tout à l'heure Bruxelles, l'hôtel, tout ça, parce que d'après ce que j'ai compris, on est dans un bel hôtel. C'est mon cadeau de fête des mamans. C'est un beau cadeau d'ailleurs. Donc voilà, tout à l'heure. On est arrivé à Bruxelles, l'hôtel est juste fabuleux, un hôtel 5 étoiles, je sais plus le nom, je vous le remettrai là, de toute façon je vous montrerai la façade, mais il est trop beau et je vais vous faire un petit room tour de la chambre. Déjà on va commencer parce que là c'est la porte de la chambre, on va commencer par la salle de bain qui est juste là, et elle est juste divine, très luxe, avec deux vasques quand même, une vasque et une grande baignoire, une douche, et il y a les toilettes au fond là-bas. Regardez-moi ce grand miroir énorme. Ah, sympa hein, la petite déco. C'est très ancien mais c'est super sympa. Ensuite on a plein de placards à l'entrée là. Un petit coin. Et bah on va dire petit déjeuner entre guillemets. S'il y a petit déjeuner dans l'hôtel, mais avec café, thé, chips, mais bien sûr payante. Et le minibar ici. Avec plein de choses à l'intérieur, mais qui coûte une blinde. Hein. Donc ça, on va s'abstenir de boire, parce que c'est 5 euros la petite petit chocolat. Là, on va peut-être éviter. Mais voilà, c'est trop mignon. La chambre, elle ressemble à ça. Il y a Oran qui est juste là. Grand lit énormissime. Ouais, une déco un peu à l'ancienne, mais c'est sympa. Pour une nuit, c'est dans vraiment dans les, entre guillemets, les Champs-Élysées de Bruxelles. C'est un super hôtel. Voilà. Voilà, voilà la visite. Après, on va aller faire un petit tour, du coup, sur ces fameux Champs-Élysées de Bruxelles. Se balader et manger. Et à l'accueil, déjà, la nana, elle était super gentille et elle a kiffé Oran, parce qu'elle aussi, elle a un bébé métis, ça m'a fait rire. Et on a eu le droit à une petite boîte de chocolat de bienvenue de la marque Godiva. Je sais pas si vous connaissez, hein, les Belges, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Mais du coup, ça a l'air pas mal et je trouve ça super cool. Et on a une grande terrasse. Bon, il n'y a pas de chaise. Mais il fait super beau, il fait 28 degrés. We'll be right back.
de notre grand périple, on a passé 4 heures dans Bruxelles à se balader dans la rue, dans la ville, et on a fait en même temps un peu de shopping. On est passé chez Lush et on est passé chez Primark, comme vous avez vu dans la vidéo. Oui, on a un Primark juste à côté de chez nous, on a même deux Primark près de chez nous, mais là, bah, j'avais besoin de quelques trucs. Il y en avait un en plein centre-ville de Bruxelles, donc bah, c'était plutôt cool. Et on est passé dans une boutique hyper typique d'ici pour les Belges ou pour celles qui veulent visiter Bruxelles. Ça s'appelle la maison... Comment ça se dit, Oussoufi? La maison quoi? D'Andois? Hein? Oui. La maison d'Andois. Et c'est une boutique typique pour tout ce qui est à base de spéculoos. Donc on a acheté des petits gâteaux spéculoos, mais version vanille, et des petits gâteaux aux spéculoos traditionnels à la cannelle. Donc voilà, pour ma fille et pour nous, hein, pour se faire... D'ailleurs, je pense que je vais faire un cheesecake la prochaine fois à la maison en rentrant avec ces spéculoos-là, parce que je pense que voilà, ça va être de la top top qualité. En même temps, je les ai payés bien cher. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Voilà, bah, quelques petits achats chez Primark, je vous montrerai ça, je pense, demain. En même temps, il n'y a pas des trucs de fou, hein. J'ai pris deux pyjamas, je vais vous les montrer maintenant, comme ça, ce sera fait. Deux pyjamas. Et chez Lush, on a pris une boule de bain, parce qu'il y a un bain, et du coup, je voulais me faire un bain. Mais voilà, là, deux pyjamas, un comme ça, dans les couleurs gris et rose, tout basique, à manches courtes et en pantalon. Le deuxième, pareil, tout basique, à manches courtes et en pantalon, mais tout rose, un peu géométrique, là. Vous voyez, je trouve très sympa, 7 euros à chaque fois le pyjama, donc ça restait raisonnable. Et après j'ai acheté des petits accessoires, voilà, des petites barrettes pour mes cheveux. Beauty Blender, parce que je voulais en tester un nouveau pour voir, même si c'est du pas cher à 2 euros chez Primark, je voulais voir ce que ça valait. Ça pour chez moi, donc un truc tout basique, tout nul. Hein. Et pour ma fille... Petite brosse comme ça pour emmener en vacances, en voyage ou pour la piscine. Du coup, je voulais chercher des petites sandales, mais je ne les ai pas trouvées. J'ai rien pour les sandales, donc c'est pas terrible. Et puis ben voilà, vous avez tout vu mes achats. Et là, on va partir au restaurant. Et après, on va profiter d'être en amoureux. Donc ben, je vous retrouverai peut-être demain, sinon on verra. Sinon, je clôturerai là le vlog, même si je ne suis pas sûre qu'il soit très long. C'est pas grave, on verra. Bisous, bisous.